qui c'est gentil tessieux. Il fait qu'on était 40 passagers dans le bus là, gain 30 qui rivé joignio dans voyage dans bus là, il gain 10 lots qui c'est des passagers manquants qui ont été besoin de contrôle. Tout cas hier après-midi, t'es gagné un dit enquête et gagné un pile contact qui t'a fait pour finir par gagner nouvelle de exactement reste 10 passagers ici là. C'est vrai, gentil, t'es sûr confirmé que gagné nek exam qui t'a attaqué Bussa sous Chimeli. En côté gentil, t'es sûr qui c'est une responsable dans compagnie sans souci capoter détails sur attaque nek exam fait sous bus sans souci ça non dit sorti nord pays précisément dans zone pas de paix. Bon, effectivement jeudi a bandi attaqué un autobus compagnie sans souci et qui était quitté nord-ouest en direction Port-au-Prince dans le nord-ouest et puisque il était quitté Saint-Louis du Nord d'abord, il fait un arrêt dans terminal non et pas de paix côté que les points ont leur groupe passager et la poulet en direction de Port-au-Prince. C'est arrivé au niveau de Gaumont. Il y a un groupe bandit qui barre l'autobus là, il a tiré sous lui. Donc, heureusement, il n'a pas signalé donc il y a un monde qui prend balle. Mais le bus là, il y a des dommages et physiques. Donc, et puis, il y a un passager manquant par rapport à un passager qui était quitté pour deux paix. Eh bien, il manquait 10 passagers. Automatiquement, que la direction compagnie a noté à Ponta, nous avons fait contact avec la police via un ami qui était référé nous automatiquement au directeur départemental du département de l'Antibonite et directeur Cassius Joël. C'est là que nous sommes rentrés et la formalité légale. Bon, et comme le directeur a demandé nous pour nous faire autobus à Vini et chauffeur à Vini dans le commissariat et d'Aéronaïve, ce n'était pas possible parce que les chauffeurs et aide-là, ils ont tous les deux perdu le téléphone. Yo. Compagnie n'est pas capable de faire et contact avec eux. C'est à travers les bases de données nous que nous prenons un téléphone à passager et nous trouvons un passager qui était encore à bord. Comme ça, nous parlons avec le chauffeur. Là, nous parlons avec lui, il était naïf. Nous avons fait contact encore avec le directeur départemental, là, M. Cassius. Il dit nous que ça va besoin de retourner. Donc, nous n'avons plus formalité au niveau CEMAC. Et nous avons fait un chauffeur aller directement dans le commissariat Saint-Marc là. De là, non seulement il a fait une déclaration dans le bureau de police là, c'est là que nous avons fait contacter un juge de paix, juge Edouard, et qui a tiré un procès verbal pour nous. Et par la suite, le chauffeur a pu continuer route avec le reste passager, et jusqu'à ce que nous arrivé dans le terminal, non pas au point. Et le bus n'a pas été en otage, j'ai été attaqué le bus là, mais nous avons gagné 10 passagers manquants. Par rapport à 40 qui quittaient Port-de-Paix, c'est avec 30 que nous arrivons pas au point. Pour qu'on ait là 10 passagers maintenant sérieux, est-ce que nous sommes en contact avec eux ou pas? Est-ce qu'il y a des informations sur eux? Côté OIE, c'est normalement tout ça? Non, nous ne sommes pas capables de contact avec eux. C'est ça que nous sommes capables de dire. Parmi les 10 passagers manquants, il y a 5 qui étaient montés Saint-Louis du Nord et il y a 5 qui étaient montés Port-de-Paix. Là encore, on a une base de données, nous arrivons listés. Mais on est obligé de conserver et confidentialité autour de l'islam. Nous juste transférer les bails à la police et pour qu'on faire suivi et par rapport à Montaro qui manquait à l'appel là. 5h50. Voilà, c'était déclaration gentille, tessieux, une responsable compagnie et bus sans souci côté les hypothèses précisions sous attaque un exam fait sous bus qui était en voyage non niveau au gros monde selon ça gentille, tessieux lui-même dit avec auditoire Radio Méga. L'autre information mais surtout information qui encore abdominée dans ce qui est pour avec un coup présidentiel là qui est victime attaque un exam qui pouvait aller la vie président non qui était 7 juillet passé à la police à travers DGAIA qui continuait à porter ensemble éléments d'information sur ce qui arrivait coup présidentiel. Directeur général police nationale Léon Charles présenté un pile de détails sur l'événement qui menait à l'assassinat du président Jovenel Moïse Lan. Chef police Lan parlait sous photo qui a circulé sur les réseaux sociaux Lyon. Côté de groupe Mounchita Souta pour d'après lui planifier assassinat. John Joe Joseph, James Solage, c'est quelques parmi moun qui était sous table ça d'après Léon Charles qui fait connaître. Monsieur entré dans le pays en 6 juin 2021 pour finir planifier l'assassinat du président en Jovenel Moïse Lan. Côté Léon Charles. Ils étaient réunis dans l'hôtel Saint-Domingue.
mais acteur, il y a des gens qui appréhendent déjà, le docteur Sanon, Soulage, qui sait, il y a des gens qui fait coordination avec la compagnie de sécurité vénézuélienne basée à Miami, à gauche, et nous avons l'autre compagnie, Worldwide Capital Lending Group, c'est une compagnie qui a commencé à travailler sur les qui a collecté et cob pour que monsieur soit capable d'exécuter un criminel ça qui démène à assassinat président. Comme nous avons autour de table, il y a les auteurs intellectuels qui sont responsables de groupes, ça y est, au bout technique pour recrutement, l'autre là pour financement. Et autour de la table, où y a acteurs. À côté, au fond, il y a le docteur debout à droite, le responsable de la compagnie de financement. Et il y a un homme qui a cherché, c'est ex-sénateur John Joel Joseph qui était dans la réunion, ça, comme nous dit, son réunion de planification assassinat président. Là, connexion plus claire. Soulage qui t'a fait contact avec CTV pour écouter le premier groupe de commando en Colombie avec les deux premiers de commandos que nous capturé l'autre là dans l'opération et monsieur parle encore avec connexion qui gagnait compagnie de sécurité qui placé pour te recruter mon sœur. Mais responsable là, un certain Antonio Intriago Valera, vénézuélien qui propriétaire compagnie City Euro, qui basé aux États-Unis, lui rentré plusieurs fois en Haïti pour capable commencer faire mise en place pour exécution assassinat. Ça, c'est deuxième élément, deuxième compagnie. Hein. Qui fait dimanche, signe un contrat avec le médecin, un autre intellectuel, pour chercher financement pour lui. Là, c'est tout contact qui fait tant avec un monde qui nous commence à arrêter. Avocat, une compagnie ça, Cap-Capipolé en Haïti, et les différents acteurs, leur déplacer, contact qui ont gagné en Haïti et à l'étranger. Pour yon cap planifier opération ça. Là, c'est groupe ça, dernier était gagné, un groupe de quatre qui était déjà en Haïti, et le 6 juin, les gens sont en République Dominicaine, tout ce qui a été acheté, nous retracer le cadre de crédit qui paye bien. Monsieur sorti en Colombie, il est passé par Santo Domingo, il est entré en Haïti le 6 juin, et depuis lors en Haïti pour planifier. Voilà, on a toujours été avec DGA et la police Léon Charles qui fait qu'on ait quatre policiers qui n'ont isolement parmi le chef USGPN Dimitri Erard. Il y a environ 24 policiers qui en mesi conservatoire. La police a annoncé arrestation Reynaldo Conventon à Gilbert Dragon. La caille de M. Sayo joint en pile ZAM grenade ZAM à Katouche. Pour qu'on y a la police continue à chercher ancien sénateur John Joel Joseph Jacques Rodolphe Désir Gordon Fé Péril, Badio Joseph Félix, d'après Léon Charles, nous invitons d'écouter le nami co-collaborateur, non, Jean-Philippe Massé. Nous gagnons Badio Joseph Félix. Nous avons dit, monsieur, c'est plaque tout dans l'opération. Nous recevons monsieur, il loue caille pour le météo, il loue un caille dans le même quartier, côté président était, il fait reconnaissance plusieurs fois pour être capable. Ouais, tout détail comment il va monter l'opération. Donc, mais tout rôle que monsieur a tenu. Monsieur a utilisé le nom DEA pour dire que c'est opération DEA, mais c'est pas vrai, c'est en couverture. Badjo, c'est lui qui fait tout. Mise en place là, et les préparer tout le logo, tout artifice matériel que nous avons gagné, location de véhicule, c'était Wolbal. L'ex-sénateur John Joel Joseph, qui joue un rôle capital, nous déterminer
c'est lui qui base l'âme, c'est lui qui planifie la rencontre, c'est lui qui fait liaison avec les auteurs intellectuels, lui participer dans l'assassinat président, la police a cherché, nous demandons à la population accompagner, si nous avons aussi une information, relayer la police pour que finalement, monsieur Sayo, qui fait tout le temps ça, a planifié, a criminel ça, remettre libéré la police. La police a fait audition avec lui pour finaliser l'enquête. Rodolphe Jean, qui a cherché, a vite recherche, lancé contre lui, il a gagné un rôle que le jouer, il a logé Mounio, il a acheté matériel dans plusieurs magasins de la place pour être capable de forcer entrer Kay président. Donc, son monde qui a une implication directe dans l'assassinat, Noël, non le visage, la population haïtienne, nous demander pour nous bailler la police information sous côté nous connaît que nous avons joué. Ce n'est pas élément ça seulement, il y a l'autre monde qui a cherché pour ne pas nuire la continuité. L'enquête là, nous pouvons abréver les noms. Monsieur ça, c'est avocat et CTUA, organisation qui t'a fait recrutement. Il y a eu contact avec l'autre organisation sur place. Il fait liaison, il cherche matériel, même gens avec l'autre monde que nos sociétés. Que ce monde nous a arrêté, que ce monde nous déjà gagné avec recherche, que ce monde n'a pas collecté informations, soit pour nous prendre, soit pour nous demander à la population aide pour nous cap mettre des mesures. Ah, ok, bien entendu. Et ces informations que porte-parole a signalées, la justice lancé 7 mandats d'amener, 4 individus que je dis à rechercher avec les mandats. Enquêteurs, police judiciaire attendent Mounsao chaque jour, plusieurs fois. Dans une semaine, et nous gagnons dans toute opération que nous avons montée, nous avons 10 cailles qui ont déjà perquisitionné, qui ont de matériel que nous avons donné. Donc c'était. Voilà, c'était déclaration DGA et la police à Léon Charles qui lui-même t'a présenté ensemble détails là sur événement ça qui menait à aller la vie président Jovenel Moïse. Nabdi déjà commissaire gouvernement Maître Bedford Claude qui est déjà lancé ensemble invitation contre une série de citoyens côté le Mandéola pour capable venir répondre question la justice sous sa crivée, même surtout pour ensemble de responsables qui étaient des responsabilités là pour capable gérer sécurité bien la vie président. Nina parlait avec la qualité pour Dimitri Erard qui est responsable USAGPN. Commissaire gouvernement Bedford Claude a été invité hier mercredi à la pour le Vindil Salconé sur question la mort président. Mais Nabdi Dimitri Erard qui pas répondre question commissaire gouvernement pour le président hier mercredi à selon Dimitri Erard en correspondance à l'adressé à chef paquet capital. Il fait qu'on est lié en musique conservatoire, lié pas qu'à déplacer et n'apprendre et qu'on a mis conservatoire semble même pas mais conservatoire encore puisque pour en parler là information fait quoi Dimitri là sous contrôle vraiment des agents dans la police non et c'est de gros unités qui a civé a contrôlé Dimitri Erard on en a parlé là c'était même genre tout pour et la guerre civile qui était même ses responsables coordonnateurs responsables sécurité présidentielle là qui parce que prendre question commissaire là dans date qui était madia encore pour réseau mais conservatoire selon ça il a expliqué même j'ai mais Georges dit c'est sur les réseaux sociaux. Oui, il n'y a pas de invitation. Exact, du client là lui-même, ouais, question invitation. Mais pendant un dossier, ça tout, on a profité d'un ensemble d'acteurs, d'un ensemble de dirigeants qui réagit encore plus sur les photos président dit ou l'autre groupe photo hein, image et cadavre président qui a circulé sous réseaux sociaux côté eh bien ensemble acteur ça même qui dans pouvoir mes amis yo mandé font camper assez avec publication image président photo ça l'autre groupe photo ça et vraiment côté n'a regardé hein, n'a regardé peut-être qu'en plus le monde qui ont téléphone intelligent dans mais capable ouais photo et cadavre président Jovenel Moïse qui est choqué en pile
pile monde vraiment qui choque en pile monde non gens il a regardé image photo ça yo que nous ouais pas la peine pour m'a dit non mais ça nous ouais tout ça parce que en pile monde qui on appareil intelligent non mais yo capable ouais image là mais nous apprenons tout cadavre chef ancien chef l'état Jovenel Moïse l'y trouvé le cap haïtien et il y a en pile chance pour c'est dans nord pays funérailles là organisé même si aller tout Jean Dédia ensemble de groupe photo ça et moi avant-hier ben hier t'es gagné premier ministre Aïan, bon qui veut dire démissionner tout le monde comprend les actions sur ça qui présente comité qui prend chargé question organisation funéraire président qui gagne là-dedans un ensemble de ministres parmi les ministres intérieur collectivité territoriale qui c'est Gonzague Dey toujours dans le même dossier ça je viens de dire là Jean William Sever côté gagne un ensemble de militants qui est décidé à déposer Lyon Jefflet dans mémoire président Jovenel Moïse. Oui, je dis en Blaise Peterson militant PHTK ensemble avec proche pouvoir déposer Jefflet Baleine devant Palais National ailleurs pour saluer mémoire président Jovenel Moïse. Militaire représenté chef l'État comme un président responsable qui tape bataille pour bien-être population. Reportage Jean-Philippe Massé. Je dis là, l'enfile aller, et moun pour eux ça fait avec. Mais moun pour eux vite déposer flèche à vous, et n'abtons nous fin d'enterrer. Laisse ça, y a mangé tout reste pour vous. Ça, c'est un premier citoyen. Chaque monde joue une parole pour déposer flèche par là ou bien baleine. Mais l'autre, c'est un petit chanté tristesse. Arrivé, l'autre, rivière. J'ai ça, c'est une façon pour exprimer gratitude à chef l'État. Il dit qu'il a bataille pour peuple qui tombe dans la condition tout le monde connaît là. On voulait dire, Jovenel, c'est un monde qui était utile non plus. Hélène t'a goumé pour te mettre le pouvoir. Je dis à ne pas j'en regrette. C'est ça qui permet. Je dis à nous venir devant Palais, venir déposer Jovenel. Non, Jovenel. Je dis à faire 8 jours depuis le mourir. Il n'est pas mourir, il était vivant dans l'esprit nous et l'ami dans nous. Nous même militants PHTK nous faire présence sur ça qui permet nous venir la journée pour nous dire Jovenel bataille n'a pas fini et bataille n'a pas campé. En pile question pas suspendre poser pour qu'on ait vraie raison qui t'a la cause président perdit la ville. Mais malgré enquête là pour quoi abouti militants yo gen tiré conclusion pas. Pas cacher on voyer mais encore. Nous connaît yo. Nous tout connaît à qui mon président Jovenel ça goumé. Tout le monde connaît équipe qui gen pile gros l'argent l'état nan mais yo qui pas jamais vle ba l'état. M'pa même citer personne nous connaît yo. Tout le monde connaît. Monde qui gen l'argent l'on nan mais yo. Tout le monde connaît. Moun ki gen gros contrat nan men yo. On attend nous bon ban nou tikal. Comment qu'on peut capable comprendre? On est sur un contrat pour 27 ans. Non quoi tu fais papier? Ah nous connait la presse monnaie yo. Ah qui ça commissaire gouvernement parler les mains. Les mon pas connait président Jovenel et non bataille mouri. Malgré frappe yo dit ou prend 7 JSA, partisan li attend continuer bataille souterrain. N'a tout président Jovenel. Ou mouri. Mais rêvou yo pas mouri. Parce que nous même militaires PHTK qui il te fait 20 mois campagne. Nous disons aujourd'hui, nous ne pouvons pas camper, nous continuons la bataille là. Président Jovenel, bon traverse. Même militaire qui mettent là, ils continuent à vivre toujours. Ça veut dire que vous pas mourir. Militant PHTK, ils ont critiqué certains acteurs sur scène politique là qui déjà bataille pour remplacer Jovenel Moïse. Partisan Lyoukoué. Acte ça, au moins t'as dû étendre après funérailles là. Président Anik mouri, après deux jours, nous avons un tel que ceci, c'est là, toute l'aide que tu as besoin, président. Et majorité là-dedans, tu as boumé contre président Jovenel. Et majorité là-dedans, tu as dit, yo pite boulon bon pays, parce que pour le référendum, ça fait. Je ne j'ai dit, si tu as besoin de boulon pays, ou pas qu'à besoin président là-dedans. On allait avec conscience, nous. Oui. Sous pas besoin de bagaille, ou m'a dit pour le boulon, ou pas qu'à besoin pour chef là-dedans. C'est vrai, partisan Lio clé sous origine Zak là, yo espère la justice fait lumière sur dossier. Ça avant longtemps, sinon si yo pas capable ba nous justice nous même peuple là classe qui pi ba yo nous pas chercher justice quel que soit côté te ye ya non bois gaiman non pas de tourner on bois gaiman Jean-Philippe Massé Radio Méga 6h05.
Merci en pile avec Jean-Philippe Masséan. On a toujours été dans même activité ça. Gain délégué départemental l'Ouest, Gary Bernadotte, qui t'a pas participé dans activité ça, qui dénonçait assassinat président Jovenel Moïse. Non, Yonzak, qui sale image pays à Piplis, toujours d'après Gary Bernadotte, qui espérait la justice faire lumière sur dossier si là. Délégué départemental l'Ouest, promet pour le travail dans tête collée, avec reste autorité pour garantir sécurité pays. Un côté, délégué départemental l'Ouest, pays, Gary Bernadotte, dans micro Jean-Philippe Masséan. Dis-il plusieurs fois dans toute interview, il fait dire que il allait à pas problème, mais ça n'a fait avec famille. Et je dis à nous faire partie de famille. Je dis à non seulement nous sommes délégués départemental, même pour le monde qui fait 6 ans et 5 mois, Jovenel Moïse, parce que moi j'ai commencé avec elle depuis le premier jour de la campagne. Et jusqu'à dans les derniers temps, parce que nous toujours observé. Ça veut dire que nous connaissons ça, ça représente pour moi. Et je ne sais pas si je trop bien, si je dis que je ne pas prendre l'initiative ça, pour nous faire. Et ceci, nous fait ça, c'est un commencement. Je dis à partir de 5 heures, nous allons commencer une série de veillées patriotiques dans la cour délégation, pour inviter tout le monde qui va participer avec nous. Et on va chita là pour nous réfléchir pour nous voir comment. Parce que nous pensons que chaque fête là, et je dis pour nous tous haïtiens, pour nous réfléchir sur ça. Parce que, et côté de mes journaux, on va remettre mes journaux, mais étant qu'haïtien, je pense que ça, faut nous tous haïtiens pour conscient que il est le temps, et je me toujours dit dans toute interview, on fait il est le temps pour qu'on va chercher dans le pays. C'était que nous avons tiré une leçon de ça, et pour ça, le président va couler en vain pour nous-mêmes haïtiens pour nous faire notre bagage à pays. Comment nous juger et bon, et même j'ai tout le monde, Noël, c'est pas, enfin, ça nous est. C'est pour bagarre au monde qui a fond humain. Mais comme nous prenons la justice pays, nous sommes attachés à la institution dans le pays. Nous attendons la justice exactement. Je veux dire, peuple a plus de l'inquiétude en tant que délégué. Est-ce que nous avons garanti la population que la question de sécurité surtout et tout le bagage sous contrôle? Bon, et comme nous avons mais accompagné de secrétaire d'État sécurité publique là, et monsieur Apte à 24 sur 24 à Gaspillé, pour comment nous avons effectivement et sécurisé le pays, ce pouvoir là. Oui, c'est déjà pris en compte par le délégué. Donc étant donné que nous-mêmes, au niveau de la sécurité publique, nous travaillons en étroite collaboration avec la délégation, et c'est ça qui est souvenu présent là, au matin, au côté de la délégation. Mais est-ce que vous pouvez faire une petite rappel pour nous en anglais? Le délégué a déjà été en anglais. Pour parler alliance démocratique contre transition qui s'est une initiative activité si là salie mémoire Jovenel Moïse qui tape bataille pour population d'après Mackinson KG qui fait connaître baleine qui l'aimait aussi pour chercher justice pour chef l'état pendant le promettre pour continuer bataille pour la vie changée dans le pays. Un côté déclaration Mackinson Kangé qui c'est porte-parole Alliance démocratique nous a permis tout un d'intervention si gain difficulté pour nous capable tendre et nous n'a pas lancement avec regroupement politique rassemblé mais okay, nous pas permettre tout un Mackinson Kangé qui c'est porte-parole Alliance démocratique contre transition qui c'est une initiative activité si là qui salue mémoire Jovenel Moïse qui tape bataille pour population d'après Mackinson quand j'ai qui fait connaître baleine qui l'aimait aussi pour chercher justice pour chef l'état pendant le promettre pour continuer bataille pour la vie changeante d'un pays en côté Mackinson quand j'ai et il était nécessaire et pour nous lancer un mouvement qui c'est mouvement non à l'assassinat en Haïti et mouvement ça nous te dit que tout le monde doit habiller soit avec chemise blanche ou bien corsage blanc et maillot blanc et puis pantalon noir ou bien jupe noire. Pour qui ça nous demande pour nous habiller comme ça? C'est parce que un bon sérieux de nèg qui comprennent que Haïti c'est pour lier haïtien c'est occident Thomas et président Jovenel te qu'on a dénoncé yo. C'est parce que président te qu'on a dénoncé yo Jodian là qui fait arriver assassiner président et nous-mêmes nous disons c'est bien compté mal calculé parce que président est clair il te dit que équipe par là qui ça a fait avec c'est dans optique ça nous dit que militant PHTK
y compris et parti et groupe et structure qui est l'Alliance démocratique contre la transition en Haïti, hein, nous arrangeons, nous venons faire un bagage symbolique pour le président de la République que nous connaissons qui a assassiné. Et nous avons lancé un signal clair pour nous dire que Balen Sayo, qui lui-même là, c'est pas pour grand merci pour lui-même. C'est un, c'est juste pour nous dire avec justice nous, hein, dégagez-le, commettre Jean-Jacques. Mettez-moi dans pas de cassave, auteur intellectuel, co-auteur à sa crime, assassinat, odieux ça, que vous arrivez à faire sous président Jovenel. Et nous dit que nous ne pouvons pas abandonner, nous ne pouvons pas quitter la bataille ça, au péril de notre vie, militants, à toute équipe ADECTRA, qui c'est Alliance démocratique contre la transition en Haïti, à continuer à gourmer pour nous joindre justice pour président Jovenel. Regroupement politique rassemblé dit regrette assassinat président Jovenel Moïse qui sa l'image pays nan international non rassemblement souhaité on la justice pour la justice arriver faire lumière sur dossier ça porte-parole regroupement ça Alexandre Jean Rony prôné dialogue nan metteur secteur là nan tout, tout secteur dans la vie nationale non pour arriver créer vraiment créer ça une stabilité en d'un pays en côté Alexandre Jean Rony. Ce n'est pas son excellence Jovenel Moïse qui fut assassiné, mais c'est l'État représenté par la présidence. Dernière institution nationale qui donnait encore l'impression de l'existence de l'État haïtien. Nous sommes entrés dans une période dont les risques d'aggravation du contexte sociopolitique économique sont élevés. Que reste-t-il pour prévenir une guerre fratricide avec tout ce qui se passe à travers tout le pays? La prolifération des armes à feu et la radicalisation des uns et des autres. Cette image que nous envoyons au monde aujourd'hui, très certainement, fera apparaître notre glorieuse historique, une révolution d'esclaves qui ont donné leur sang et leur corps en sacrifice pour des idéaux de liberté et d'humanisme, comme une force historique.